rendez-vous de Noël est évidemment par définition marqué par des variations. Je dirais que c'est un peu un rendez-vous à géométrie variable, puisqu'il y a des gens qui arrivent, puis il y a des gens qui partent, il y a des partants, il y a des manquants, il y a des voyages. Donc forcément, chaque année, chaque édition est différente. Je voulais simplement souligner quelque chose que Marcel dit chaque année et qu'on devine dans l'art de recevoir de Gisèle. C'est ce principe des affinités électives. Et essayer de créer tout de même une atmosphère chaleureuse, de convivialité, de détente. Et aussi, jeter un petit coup d'œil peut-être sur ce qui se passe, qui s'est passé. J'ai appris hier que... Et alors, en feuilletant une anthologie de la poésie chinoise, et de cette époque-là en particulier, je suis tombé sur un poème d'un des trois grands. Vous savez qu'il y a à l'époque temps, il y a trois grands, il y a Li Pai, il y a Wang Wei, qui est personnellement mon favori, et il y a les trois grands noms qu'on cite toujours, un peu comme chez nous, on cite Corneille, Racine, etc. Celui-là. Marc Stasser. Là. Moi, c'est Jacques. Quoi qu'il arrive, il reste tout de même une constante pour nous. C'est le désir de vous avoir auprès de nous. Cette grande anthologie de la poésie Tang, je me suis dit, mais comment est-ce que ces poètes ont réagi à tout ce qui se passait autour d'eux? Merci à Gisèle et merci à Marcel.